Hello, bienvenue sur le groupe Révélez votre unicité. Je suis là pour le défi 136 sur 365 live et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de créativité, pour vous parler de visualisation, pour vous parler aussi rapidement, un très très court live parce que je dois partir assez rapidement de ce passage-là. Donc le livre Un instant, une pensée qui donne des préconisations ou des conseils, des suggestions en fonction de chaque jour. Alors le 31 mars, je vais vous lire rapidement ce qui est écrit. Tu es le créateur permanent de ta vie. Quand tu te familiariseras avec la visualisation créatrice et commenceras à croire aux résultats que tu peux obtenir, tu constateras l'évolution d'un état de conscience dans lequel tu sais être le créateur permanent de ta vie. Le paroxysme de la visualisation créatrice consiste à transformer chaque moment de ta vie en un moment de merveilleuse création, où tu choisis tout naturellement de vivre avec le maximum de satisfaction, de beauté et de perfection imaginable. Ma vie est une merveille de ma création. La petite phrase à retenir. Donc voilà, j'aime beaucoup. Évidemment, c'est plus facile à lire qu'à mettre en pratique, mais c'est un exercice de vie, c'est un exercice à mettre en place au quotidien, d'avoir ses réflexes, d'être vraiment dans cette création permanente avec la vie, dans cette co-création avec les gens qui nous entourent, avec nos collègues, avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, avec notre famille, avec nos amis, avec tous les gens qui nous entourent, être dans cette co-création permanente, être dans cette conscience qu'on crée à chaque instant, que nos pensées, nos vibrations, nos actions, les mots, sans se mettre la pression pour autant, mais les mots, le choix des mots qu'on utilise, etc., vont avoir un impact sur notre vie, sur comment le tournant qu'elle prend, les rencontres que ça va engendrer. Donc c'est vraiment quelque chose à adopter, une attitude à adopter dans son quotidien, c'est d'avoir vraiment ce réflexe de se créer des instants où on va être en constante liaison avec son monde intérieur, avec sa vie intérieure, où on va se relier à ce qu'on veut et essayer vraiment à se créer des images, à se créer des émotions, des sensations, des ressentis qui nous appellent, qui nous parlent. Donc vraiment cette attitude à avoir comme un automatisme, à se brancher le plus possible avec ce qui nous appelle et à créer les images et vraiment avoir ses ressentis aussi dans son corps. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis parallèlement à ça aussi, je dirais par rapport à ce qui est exprimé dans ce texte. Donc si je reprends la phrase, le paroxysme de la visualisation créatrice consiste à transformer chaque moment de ta vie en un moment de merveilleuse création où tu choisis tout naturellement de vivre avec le maximum de satisfaction, de beauté et de perfection imaginable. Mais c'est aussi, parallèlement à ça, c'est aussi la capacité à accueillir les moments quand c'est beaucoup moins confortable et de rester branché à sa grande vision et de parvenir à transmuter, à transformer ces moments moins confortables en quelque chose de plus joli et de comprendre aussi et d'accueillir. De comprendre aussi que ça, si ça se passe, c'est forcément qu'il y a une raison qu'on ne peut pas forcément comprendre dans l'instant et de lâcher prise sur ça parce que voilà, de ne pas toujours mettre en action, en mouvement notre mental pour chercher toujours à comprendre pourquoi ça se passe comme ça, mais accueillir, se brancher sur l'acceptation de chaque situation et accueillir ce qui se produit dans nos vies pour notre plus grand bien et pour transmuter chaque situation en quelque chose de favorable pour notre vie, en quelque chose de voilà qui va se rapprocher de ce qu'on veut atteindre. Voilà. Et puis ne pas, il y a un autre message aussi qui me venait en lisant ce passage, ne pas négocier avec soi.
ne pas faire de compromis avec soi, vraiment se diriger, se traiter en première classe et se diriger vraiment vers ce qui nous appelle profondément et pas se dire négocier avec soi en se disant non, je fais pas ça parce que c'est trop compliqué, j'ai l'impression que c'est inaccessible ou parce que j'ai des peurs qui m'empêchent réellement d'accéder à ce grand rêve, à ces projets, etc. Mais vraiment oser se regarder avec sincérité, avec transparence, avec honnêteté, parce que parfois on a tendance aussi à se mentir à soi. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.